Salut à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Carnet de Rando consacré au Dévoluy. Au carrefour de plusieurs grands massifs montagneux célèbres tels que les Écrins et le Vercors, le Dévoluy reste une petite perle méconnue des Préalpes du Sud. D'une superficie inférieure à 200 km², on peut dire que depuis quelques années, le tourisme s'y développe de manière croissante, notamment grâce à la présence de deux stations, la Joue du Loup et Super Dévoluy. Alors dans ce grand cirque en forme de fer à cheval, la vue porte souvent très loin et le regard accroche quelques sommets grandioses, parmi lesquels le Grand Ferrand, l'Aubiou et bien évidemment le plateau du Pic de Bure, sommet symbole de cette région. Dans ce nouveau numéro de Carnet de Rando, je vous invite à une découverte de cette région du Dévoluy à travers une sélection de 6 itinéraires de randonnée, dont 5 à parcourir raquettes aux pieds. Et pour commencer, direction le col de Charnier et la tête de l'Ozon. Alors ça fait bizarre de retrouver les raquettes. Depuis le printemps que je me balade sur les sentiers avec mes tongs, il a quand même fallu que je range. Et celle-ci et le Bermuda. Alors on bénéficie quand même d'un hiver relativement chaud. Hein. Il fait super beau là dans le Dévoluy. Je me demande si je vais pas finir encore en t-shirt, mais l'enneigement est satisfaisant. C'est pas de la quantité, mais c'est de la qualité par contre. Alors, Cerolo, 1460. Ça nous fait quoi ça? Tac tac. Ouais, oui, parce que l'inconvénient en fait, c'est que comme en Camargue, j'ai toujours pas de carte, ça n'a pas changé. Alors je note sur des petits bouts de papier qui me rappellent bien le topo de la traversée des Alpes, les endroits clés où je dois bifurquer, repérer certaines choses. Et celui-là, Cerolo, à 1460, je l'ai bien. C'est une intersection et je dois prendre à gauche. Ah bah, il est indiqué, direction col de Charnier. Par le GR. Alors l'hiver, je dirais qu'on met beaucoup moins de temps à atteindre les buts des randonnées parce que dans la mesure où les sentiers et les balisages disparaissent, on a une fâcheuse tendance à tirer tout droit. Et ma foi, raquette tout droit, ça passe. Hein, c'est sûr, hein, on tire un peu la langue, mais ça y va. Du coup, ça va vachement plus vite. Je rejoins assez rapidement la cabane de Chouroum Clos. L'été, les bêtes y montent en estive et profitent des immenses pâturages alentour. Pendant les mois d'hiver, seuls des abreuvoirs gelés peuvent encore témoigner de cette activité estivale. Voilà un beau point de vue. Je quitte la cabane en direction de Rochecourt. Les espaces immenses de la montagne s'ouvrent peu à peu devant moi. Je progresse seul dans un univers d'altitude fait de roches et de neige. De temps à autre, je suis guetté par un chamois solitaire, posté en sentinelle au sommet de Barre Rocheuse. Ah, là on commence à bien voir le passage que j'ai repéré sur la carte. Avec cette crête-là, qui va permettre de basculer dans le vallon qui remonte au col. Bon, là on arrive dans la partie la plus délicate, là, c'est le petit collet là, qui va basculer dans le vallon remontant au Charnier. C'est tout à l'ombre, un peu déversant et glacé. On va y aller mollo. Bon voilà, alors là je sors du passage un petit peu scabreux. Donc il faudra faire attention hein, quand même. Limite une petite paire de crampons en plus. Ça peut aider sur certains jours, surtout que c'est complètement déversant. Et des endroits pas longs, mais un petit peu raide si on part en glissade.
Ah, ça y est, on est arrivé au col là. Ah, c'était pas facile, la fin là, elle est pas tracée. Il faut y aller un peu à vue et c'est pas un terrain toujours très évident, mais je dois reconnaître que la vue qu'on a de l'autre côté est à la hauteur de l'effort qui a été réalisé. Hein. C'est beau. Reste à monter au sommet du Lozon. Petit effort encore. Voilà, on est sur l'arête sommitale là. Ouh, ça fait un peu alpinisme à la fin quand même. Je dis que le purée non plus aurait pas été de trop. Sommet de la tête du Lozon, le paysage ouvre vers le sud, le long de la grande barrière rocheuse du Dévolu. Derrière moi, le sommet du Grand Ferrand pointe le bout de son nez. Je ne peux m'empêcher de trouver à ces montagnes du Dévolu un certain air de ressemblance avec celle des Dolomites. La roche, les formes, tout m'y fait décidément penser. Et loin vers le sud, c'est déjà la Provence et le Mont Ventoux. Ici s'achève ce carnet de rando. Le temps pour moi de redescendre, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours dans le Dévolu, pour une sortie en raquette à la Pierre Bodinard. Salut à tous!